Bonjour, je suis Guy Casal, je suis mathématicien ici à Rennes. Et aujourd'hui, pendant à peu près 5 minutes, je vais vous parler du théorème de Fermat. Donc ici, vous avez la question qu'a posée Fermat un petit peu avant 1665. Donc il s'intéressait aux solutions de cette équation pour un exposant plus grand que 3, aux solutions entières et non nulles. Il a été un peu plus directif que juste, il n'a pas seulement posé une question, il a dit qu'il ne devait pas y avoir de solution à cette équation. Et il a fallu attendre 1994 pour que Andrew Wiles donne une réponse définitive en montrant qu'effectivement, il n'y avait pas de solution à cette équation. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une variation sur, sur ce théorème. On va regarder non pas cette équation, mais une congruence modulo un nombre premier. Donc on va prendre un nombre premier en plus. Et on va chercher les solutions dans les nombres modulo p, dans z sur pz. Avec la même condition, la même équation. Donc là, les choses changent complètement, puisqu'en 1910, Dixon a démontré que maintenant, si on cherche les solutions là-dedans, il y a plein de solutions. Il y a des solutions au moins quand P est très grand. Alors, je n'ai pas lu l'article de Dixon, je ne sais pas comment il fait, mais 6 ans plus tard, Schur a donné une nouvelle preuve de ce théorème, donc théorème de Fermat modulaire, il existe des solutions, en utilisant les nombres de Schur. Donc, que sont les nombres de Schur ? On prend tous les nombres entiers entre 1 et n et on les colorie avec petit r couleur. C'est cette application qui est là. Et si n est suffisamment grand, on va trouver parmi ces nombres trois nombres qui ont la même couleur, tels que la somme des deux petits soit le grand. Le nombre de Schur, c'est la borne à partir duquel ce phénomène arrive à tous les coups. Alors ce sont des nombres assez grands. On a des bornes sur ces nombres-là. Et Schur a utilisé l'existence de ce nombre-là pour donner une preuve du théorème de Fermat en coloriant ces nombres. Alors, comment il fait? Il commence par regarder un groupe, le groupe des inversibles de z sur pz, et le sous-groupe des puissances mm, de toutes les puissances mm. Donc comme on a un groupe et un sous-groupe, on a une partition de notre groupe, une partition en classe pour la multiplication par des éléments de ce sous-groupe des puissances. La première chose à remarquer, c'est qu'on a, donc on a un certain nombre de classes, on a toujours moins de m classes. Donc moins de m orbites, m classes, et ce m est toujours strictement plus petit que... Enfin, ce m est indépendant du p, comme on peut le voir dans l'énoncé. Donc on va traduire ceci en termes de coloriage. Donc ce z sur pz, les inversibles de z sur pz peuvent être représentés par tous les nombres compris entre 1 et p-1, de manière naïve. Et chacune de ces classes vous donne un ensemble qui est colorié par une couleur qu'on va associer à un des représentants de la classe, par exemple, qui va nous servir de couleur. Maintenant, si p-1 est plus grand que le mième nombre de Schur, en utilisant le théorème de Schur, on obtient une couleur et trois nombres qui sont de la même couleur, qui vérifient que la somme des deux petits est égale au grand. Il nous suffit de regarder maintenant ce que signifie qu'un nombre est d'une couleur petit a. Ça signifie que, vu dans cet ensemble-là, c'est petit a fois une puissance mième. Vu ici, ça veut dire que grand x est congru à a fois x puissance m pour un certain x. Donc on écrit ça pour x, on écrit ça pour y, on écrit ça pour z, on remplace dans l'équation, il ne nous reste plus qu'à diviser par a, et le théorème de Fermat, en tout cas sa version modulaire, est démontré.